Wesh, ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, hein. Ça fait quand même un moment. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous kiffez votre life, même s'il y a le couvre-feu à 18h. Ok, vas-y, c'est pour l'épidémie et tout, mais on en peut tellement plus. Après, ils disent qu'ils veulent éviter le confinement. Je pense que c'est pas plus mal, au moins là on peut sortir la journée et tout. Mais c'est trop chaud, wesh, 18h, comment ça? À la base c'était 20h, 20h déjà, mais c'est trop, mais 18h. C'est une dinguerie ce truc. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir de cette situation, mais ça commence à être pesant, hein. Apparemment jusqu'en mai. Mais est-ce que vous imaginez si jusqu'à mai là on est confiné? Franchement, c'est une dinguerie. Vous avez vu, j'ai pas changé de décor, j'ai trop percé. Enfin, ça y est, toi, tu fais des vidéos avec moi? Bah oui, ça y est, maintenant il fait du million de vues, il a percé. Maintenant il me jette, tu me colles la main en fait. J'ai envie de respirer. La profiter dans mon. Respirez pour vivre ma vie. C'est grâce à moi que tu respires, clochard. Je vais te boxer. Ok, ma mère, si tu serais pas là, en train de. Oui, c'est grâce à toi, oui, bien sûr. Le clown. T'as percé, t'es la meilleure. Oui, t'es la best, on t'adore. Fais la vidéo à ma place si tu veux. Vas-y, fais la vidéo, fais le montage. Oui, j'ai fait, oui, j'ai fait, oui. Non, je fais pas tout seul, hein. Je sais pas faire. Voilà, va récupérer ton poste dans le salon. Bref, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, couvre-feu, franchement j'en peux plus, moi, la vérité. Déjà juste le fait de dire ouais, faut qu'on soit chez nous à 18h. Oh, Paname, c'est le bordel. L'autre il est sur messagerie, personne qui le répond. Appelle l'autre, appelle Clochard. J'ai l'appel des suites. Décris pas sur moi, Clochard. J'appelle lesquels lui répond. Oui, allô? Oui, pourquoi tu réponds pas, t'es où? Oui, je suis en train d'arriver là, arrête de mettre la pression. 18h05, dépêche-toi, tu vas avoir une amende. Dépêche-toi. Ouais, calme en fait, calme. Y'a pas à s'exciter comme ça pour rien. Dépêche-toi. Full semaine. Clochard, je vous déteste, il respecte rien dans cette maison. Messagerie, et les urnes, messagerie. 18h, tu ne peux pas rentrer à 18h. T'as un synchro. Moi, je me demande depuis tout à l'heure, elle m'appelle. Elle m'a incendié. Papa, et tout le monde m'appelle. Il faut trop se gâter, ouais, je refais 18h, on finit à 18h, je vais faire quoi? On va se faire incendier. C'est dingue, une force avec le coup. C'est maintenant, vous rentrez. Vous êtes où, les clochards? Pourquoi vous nous agressez, en fait? Respecte pas. Même les présidents, tu veux pas respecter, hein? Mais j'étais au sport, ouais. J'étais à l'école. Il est 18h, on va à 18h, il est à la maison. Pour 18h, on compte, on la rit. Personne. Mais bien sûr que si, on respecte le délinquant international. Moi, j'arrête de parler, en fait, ça a rien de parler avec vous. Je respecte personne. Quelle gueule comme une hyène. Tu veux quoi, toi? T'as vu, il est fouline. T'étais où? J'avais cours. Cours jusqu'à 18h. T'étais collé? Non, j'ai. T'étais collé? Non. Dégage les clochards. Et l'autre grande dadée, les bêtes de la famille. T'es ministre? Fais le castex ici. Oui, je suis premier ministre. J'ai castex, c'est pas ton problème. Genre, on rentre à 21h, 22h, on le calculait pas, là, 18h. T'inquiète pas que tu reçois rafale d'appels. Mais ça craint en fait. Maintenant, je finis le taf à 17h30. Le temps que t'ailles acheter quelque chose, c'est foutu. Fini, t'es mort. Je vais te frapper là. Moi, je vais te fracasser, hein, t'es tellement kex. C'est vrai, je vais faire un couscous. Calme-toi. Oh, attends, pourquoi tu rentres comme un ouragan ici? Irma, tête de Wam. Wesh, rentre doucement en fait, cousine. Déjà, c'est pas Soumoule. C'est Soumoule. Je vais te boxer ici. C'est Soumoule. Grave savage. Soumoule, je vais te soulever, tu vas voir. Va acheter la Soumoule vite avant que ça ferme. Si ça ferme, t'es mort. Grave savage, sauvage. Un chien enragé. Putain, il est 17h50. Putain, faut que j'aille acheter. Mais non, wesh. Elle va mouette, faut que j'aille acheter, wesh. Faut que j'aille acheter, wesh, elle va mouette. On va gueuler, je sais pas. J'espère que c'est pas fermé. Si c'est fermé, je fais taille. Ça va mouette. Mais aussi, pourquoi il formatise 18h? Ça fout le seum. Putain. Ah, mais c'est fermé. Mais 18h, vous allez où? Je vais acheter. Je vais acheter de la semoule. Gros feu. Non, mais même marre, attention. Il y a ni semoule, ni je sais pas quoi. Mais il est 18h05, ça marche. Le magasin est fermé, la devanture est fermée. Je rentre vite fait. C'est par ici la sortie, monsieur. Alors, tu fous le seum. La tête de moi, je vais me faire défoncer. Tout ça parce qu'il forme à 18h. C'est quoi cette vie? Pourquoi t'as pas ramené, hein? Tu veux me faire croire qu'il y avait plus, hein? Menteur, il me ment. Face to face, il me ment. C'est à cause de ta gueule, je t'ai dit, lève-toi, tu t'es pas levé tout de suite. J'ai entendu quand t'es parti il y a 10 minutes, même pas. Non, je suis sorti à l'heure. Quoi? J'ai fait le gifler, en plus, il se la ramène. Mon Dieu, c'est de ma faute. Casse-toi, clochard. Ah, t'es cool le couscous, t'es cool, inchallah. Tu vas même pas toucher. Ah, moi, je vais manger ta soumoule en plus, là. Ton couscous bien caisse. J'ai rien à foutre, tu manges pas. Tu vas rien manger. Ok, ouais, je mange pas, j'ai pas faim.
Ah ouais, clairement, tes courses, faut s'y prendre à l'avance, faire tout un programme, sortir du taf plus tôt, prendre les transports plus tôt. Ah, c'est un grand bordel. Quand je vous dis après l'heure, c'est plus l'heure, la dernière fois, je pense à 17h30, il m'a dit ouais, on ferme 30 minutes avant parce que sinon, on n'a pas le temps de tout fermer. Ah ouais, donc en fait, on vit plus quoi, voilà, on vit plus. Ok, donc tout le monde doit être chez soi à 18h, donc je vous laisse imaginer l'ennui profond dans lequel on se retrouve, moi et ma famille, sachant qu'on n'a pas un château. Y'a moyen que tu me laisses regarder? Non, tu regardes rien, je regarde les... Ouais, je partage un peu la télé, partage, on dirait ça à toi. Voilà, je regarde jusqu'à minuit les informations de Jazeera. J'ai envie de regarder Netflix, moi j'ai envie de regarder ma série en fait. Y'a pas de Netflix ou la télévole fixe. Laisse-moi regarder qu'est-ce que je veux. Allez, dégage. Vas-y, viens de parler avec moi, ça me bédarde. Ça me bédarde, lui. Ah, y'a moyen que tu me rends service? Quoi? Je t'explique, j'ai envie de regarder la télé, frère, y'a rien à faire, on s'ennuie, on se fait chier. Demande, essaie de demander à papa, essaie de négocier. Toi, il t'aime bien, t'es son chouchou. Demande lui s'il te plaît, il te laisse regarder un peu Netflix. Tu me donnes quoi? J'ai envie de regarder Murder. Non, tu me donnes quoi? Eh, t'inquiète, ça c'est entre toi et moi, t'inquiète, je vais te mettre bien. Vas-y, vas-y. Mais pourquoi tu m'en penses? Demande lui s'il te plaît, tu lui dis s'il te plaît, tu dis c'est pour toi, tu dis pas c'est pour moi. Vas-y. Tu dis pas c'est pour moi, tu dis c'est pour toi. Vas-y, t'as un bon. Vas-y. Fais attention, tu me donnes. Vas-y, t'inquiète. Oh, c'est un ouf lui, frère. Il est là, il veut perquiser la télé en fait. Comprends ça à lui? Même pas lui qui l'a acheté en plus. J'ai regardé les footballs de Néo Jazeera. C'est ça mon père préféré? Ça va, c'est que t'es mon père préféré, je t'aime trop. J'ai suivi les bases. Je voulais dire, s'il te plaît, tu peux me passer la télé? Comme ça, je regarde Netflix. Non, je te passe pas, j'ai déjà dit non. Non, mais s'il te plaît, juste Netflix. J'ai déjà dit non. S'il te plaît, juste Netflix, je regarde. Parce qu'il y a ma série préférée là. Ok, parce que je t'aime bien. Merci. Voilà, t'es mon fils, je t'aime bien. Mais balance ça. Merci. Au moins, on va pas soigner le couvre-feu. Je crois que c'est passé, il a réussi. Pas de soucis. J'ai déjà la télécommande ici. Je crois que je vais lui donner un truc. Mais vas-y, garde la tâche. Mon petit, je crois que je vais lui donner. Ah, comme ça, tu voulais une carotte, moi. Moi, tu voulais une carotte. C'est qui qui parle de carotte en fait? Tu m'as envoyé et là, tu crois que je t'ai pas entendu. Mais je t'ai dit quoi en fait? Ah, t'as dit ouais, t'allais ramener. Ben, j'ai juré, on va voir. Viens, je vais te gifler. Eh, ferme-la. Ah non, c'est bon. Non, t'inquiète pas. Je peux regarder la télé, c'est annulé. Stéphane, il m'a envoyé, il m'a dit ouais, vas-y, va voir papa, comme ça tu lui dis ouais. Les clochards, toi t'es complice. Il met des couteaux dans le dos. Tu peux arrêter. Et il met des haches dans mon dos. Non. Je suis choqué. Déjà, en temps normal, il nous laisse pas. Mais vas-y, c'est pas grave. Je sors moi le soir, je le calcule. Hop. Après, je rentre, je suis KO, je dors. Et là, on fait quoi? On peut rien faire, on peut rien voir, rien regarder. Alors, je crois qu'avec une attestation, tu peux sortir le soir. Mais vas-y, il faut un motif valable. Du coup, moi, si j'ai pas de motif, en fait, je sors pas. Mais vas-y, dans ton entourage, t'as toujours un thug qui fait le rebelle. Ouais, toi, Castor-ci, wesh. C'est le voisin, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, avec ce qu'il... Toi t'as pas de maison en fait, ça va ou pas, tranquille? Bien. Okay, couvre-feu, tu connais pas? Est-ce que tu peux venir avec moi s'il te plaît? J'ai un truc à faire, c'est super important. Non mais t'as rien compris toi, y'a couvre-feu en fait. Y'a couvre-feu, je ne peux pas sortir. C'est pas possible. Mais si s'il te plaît, wesh. Non, c'est pas possible frérot, y'a couvre-feu. Là t'es censé être chez toi, t'es pas censé être là. Rentre chez moi en fait. S'il te plaît, c'est un truc super important, c'est moi, c'est... je suis ton ami quand même. Y'a pas de couvre-feu dehors, y'a encore des voitures, tout. T'as pas peur, ta grosse tête, t'as pas peur. C'est toi qui fais la tapette. Là, je t'explique. Tapette, un homme ou t'es pas un homme? T'as une attestation? Oui, j'ai une attestation. Et c'est quoi ton motif? Oui, assistante à personne handicapée. C'est toi handicapé en l'occurrence, donc viens avec moi s'il te plaît. Je gaze en fait. Mais c'est bon. Mais on se fait attraper, je te wet. C'est toi qui t'en amant. Vas-y, c'est toi qui t'en amant. C'est bon, je prends ma veste et je viens. Yes. Je te wet. Ça va, c'est bon, arrête de faire ta tapette. Pas vous manger 135€ bêtement là comme ça. T'es une vraie tapette en fait, Fab. Du coup, t'es un Algérien. Un Algérien, toi t'es un Algérien avec tes dents. Hey, on est bientôt arrivé ou pas? Voilà c'est les keufs. Bonsoir messieurs, qu'est-ce que vous faites? Vous me coupez le contact? Vous mettez les clés sur le tableau de bord s'il vous plaît? Pardon, désolé. Voilà, c'est un contrôle d'identité, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai ma grand-mère, elle est où? Je sais pas. Ah oui, sa grand-mère, elle a la diarrhée. Ah, sa grand-mère, elle a la diarrhée. Ouais. Et donc c'est ce qui justifie que vous êtes de rasteur ci après l'heure du couvre-feu? Elle a fait caca partout. Ah d'accord, donc du coup vous avez la deux, lui c'est les fesses? Elle est grosse. Ah d'accord, donc en plus, ah vous foutez de ma gueule en plus. Vous allez enlever vos ceintures s'il vous plaît. Et juste les masques ils sont où? Ok, donc il n'y a pas de masque. Nous respect des distanciations sociales, donc ça fait 135 déjà. J'ai ma carte vitale. Ah, carte vitale, ok d'accord, nickel. Bah avec la carte vitale, vous en ferez 135 fois 2. Et l'assurance? L'assurance? Vous roulez qu'un véhicule qui est pas assuré? Donc là vous mettez la vie. Si, j'ai une vignette. Une vignette? Oui, d'accord, bah 135 x 3 et immobilisation du véhicule. Allez, tout le monde monsieur, sort. Monsieur, allez, voilà, monsieur, voilà. Je sais pas ce que vous voyez. On sort du véhicule s'il vous plaît. Monsieur, je vais caler. On est dans le 77, on va rentrer de 77 à Paris à pied. Ouais. On est dans le 77. C'est la dernière fois que je te suis, espèce de con, va. Voilà, on s'est fait pétard. Mais c'est quoi le maman? On va rentrer du 77 jusqu'à Paris. Mais on avait faim. On va arriver quand? Mais dans 4 jours. Je suis déjà fatigué. Je te promets, c'est bon. Vas-y, arrête de parler. Puis on reste ensemble, on va se perdre. Moi, ce qui me choque, c'est ceux qui rentrent du taf à 18h. Wesh, c'est comment? En plus, t'as des keufs, c'est des forceurs, mais forceurs catégorie high level. Et là, pop. Oui? Où c'est que tu vas?
Qu'est-ce qui se passe? Vous allez pas m'agresser comme ça? Il est quelle heure là? 18h05. Bah oui, bah donc du coup, bah tu respectes pas le couvre-feu. Non, mais je viens de finir le travail en fait. Bon, bah ça fera 135, hein. Je prends le nom de famille, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je viens de sortir du travail. Vous avez un médecin? C'est pas mon souci, vous direz ça à votre patron. Il appellera pour vous si vous êtes vraiment au travail. Le nom de famille, s'il vous plaît, prénom. J'arrive, je vais juste récupérer le courrier, j'ai oublié tout à l'heure. Ouais, j'arrive. Vas-y. À tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais je t'ai dit quoi, le couvre-feu? Bon, là, je suis chez moi, je suis dans mon immeuble. Tu remontes ici, on va te mettre une amende, tu bouges pas. Mais vas-y, c'est dingue, mais en fait, comment ça vous mettez des amendes aux gens même chez eux? Le nom de famille, s'il vous plaît. Voilà, c'est 35 euros, voilà, vous avez 5 jours. Allez, bonne soirée, je peux vous revoir dehors. Oh, chien. Costa, on va jeter la poubelle. Ça pue, ça pue. Ouais, c'est toi qui vas jeter la poubelle, t'auras à louer. Quand tu vas la jeter, tu en profites pour rester là-bas. T'es à jeter aussi. Louer, va jeter la poubelle. Pourquoi c'est toujours moi qui fais les trucs? Va, va, tu... Putain, en plus elle pue, c'est une dinguerie. Comment ça pue? Elle a pu jeter sa poubelle qui pue là. C'est une dinguerie ça. Tu comprends pas? Mais tu fais quoi? Il fait quoi dans la poubelle à suivre? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est toi qui fais dans la poubelle. Le couvre-feu? Bah, c'est une dinguerie. Arrête, tu me surveilles même dans la poubelle. 135 euros, on est parti. C'est une dinguerie. Mon famille, s'il te plaît. 135 euros, sous 5 jours. Allez, ça se fait pas. Bonne soirée. Voilà, ça se fait pas. Bonne soirée. Non, mais la dernière fois je me suis contrôlé. Maintenant je me fais attraper à 18h30. Descends ton véhicule, je descends. Ouais, vous faites quoi et tout. Heureusement j'avais mon attestation. C'est pas mon ami, ils m'ont mis plein d'amendes, j'étais pas au courant. Genre des amendes, en plus ils m'ont même pas dit. Il m'a mis 3 amendes. Parce que j'ai pas présenté la carte d'immatriculation alors que j'ai la photocopie. Parce que si, parce que ça, 3 amendes. Je sais plus c'était quoi les autres. Je crois que c'était par rapport à la vignette pollution. Ouais, c'est 4 euros commandé là, hein, parce que sinon vous allez avoir une amende. Mais vous me l'avez mis, l'amende bande. Ça c'est des trucs de chemette en fait. Ça par contre c'est une grosse galère. Maintenant il est 22h, il y a plus rien à manger chez toi, tu fais comment? Bah t'es obligé de sortir. Nous on fait tous des souhaits, des vœux en commentaire. Et Inch'Allah, maintenant ils nous ouvrent tout. Ou bien sinon, allez vas-y, remettez-nous le couvre-feu à 20h. C'est là où tu te rends compte que t'as perdu gros. À 20h au moins ça allait, wesh, là 18h. C'est tôt. Puis voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'ai constaté de ce couvre-feu. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi en commentaire comment vivez le couvre-feu, ce que vous faites après 18h, parce que moi franchement, je galère, je suis sur mon téléphone. Filmer une vidéo, mais vas-y, si je veux sortir, c'est comment? Bref, c'est la zermie en vrai. Donc dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.